y a plusieurs millions d'années, Shinnok, l'un des dieux anciens, se rebella contre les autres divinités et envahit le royaume Terre. Raiden et les dieux anciens arrêtèrent ce traître et l'emprisonnèrent dans le Nether. Shinnok avait cependant fait des émules. L'empereur de l'outre-monde, Shao Kahn, ne rêvait ainsi que de conquérir la Terre. Raiden convainquit les dieux d'organiser le tournoi du Mortal Kombat, afin d'équilibrer les forces en présence et de donner une chance à la Terre. Pendant longtemps, Shao Kahn se plia aux règles des dieux anciens. La guerre s'était déplacée dans l'arène, où les plus puissants guerriers de Shao Kahn affrontaient les combattants de Raiden dans des combats sanguinaires. Il y a 2 ans, Shao Kahn fut vaincu. Mais il refusa de reconnaître sa défaite. Enfreignant les règles du Mortal Kombat, il envahit le royaume Terre. La plupart des défenseurs, nos amis, furent tués, changés en maléfiques guerriers morts-vivants. Mais nous parvînmes malgré tout à stopper Shao Kahn. Pour le punir, les dieux anciens lui ôtèrent la vie. Nous avions cru que le cauchemar était fini. Mais en réalité, Shinnok avait tout manigancé. L'invasion de Shao Kahn, sa mort. Il s'agissait d'un plan qui lui permettrait de s'échapper du Nether et d'affronter à nouveau les dieux. Tu veux bien? Comme d'habitude, quoi. Si par d'habitude, tu veux dire jamais. Major? Ok. Vous avez les coordonnées du point de rendez-vous. À l'autre bout de la forêt. C'est là que se trouve le portail vers le temple céleste de Raiden. Là où nous attendent un dieu renégat et ses sbires démoniaques. Des dieux, des portails, des démons volants, des guerriers aveugles maniant l'épée. Le monde a changé. Et le pire nous attend si nous n'arrachons pas Shinnok du temple de Raiden. Il veut empoisonner l'énergie vitale de la Terre, de Jinsei. S'il croit qu'on va le laisser faire. Genshi et moi remercions le Major de nous avoir permis de nous joindre à vous. Vous aider à renvoyer cette ordure dans le Nether est un honneur. No!
peu vite, là. Tu crois pas? Je retourne à l'hélico. Sonia, dégage de là! Je préférais quand on était dans le même camp. Ça va? Mieux que les gars, déjà. Ouais, encore un crime dont Shinnok devra répondre. Yeah.
aille restaurer les défenses du portail tout de suite. Non, Fujin. Il est trop tard. Les puissants dieux du royaume Terre. Ta présence souille ces terres sacrées, Quan Chi. Va-t'en. Tu n'es pas heureux de revoir tes amis ? Tu les as abandonnés à la mort. Moi, je les ai ramenés à la vie. Une vie pire que la mort. Cette mort qui t'attend toi aussi, mon maître lui-même sera témoin de ta chute. Nightwolf. C'est ta dernière mission, Sonia. Le vrai Jax ne frapperait pas son meilleur ami. Johnny Cage, je me réjouis de te massacrer. On te soignera un de ces jours.
Eh ben, ça fait plaisir de les revoir. Sonia, ce n'est pas lui. Major Blade. Sergent, qu'y a-t-il ? C'est ça l'ascenseur ? Ouais, l'ascenseur. Sento renferme les âmes de mes ancêtres. Elle me guide. Et elle pourrait pas se dépêcher un peu, là ? Reculez, vite! Continuez. Vous, vous restez là. Fermez la porte. Le vois-tu enfin, Raiden? Ton héritage. Tu infestes leur cœur d'espoir. Et qu'as-tu à offrir? La même chose qu'il y a des milliers d'années, quand tu as trahi les autres dieux et que tu as attaqué la Terre. Nous t'avons arrêté, nous t'avons enfermé dans le Nether, et nous le referons. Quand l'ombre est éloignée de la lumière, elle grandit. L'héritage de la vie, c'est la mort, Raiden. Mes disciples l'acceptent et vont de l'avant, en se battant pour moi. Tu n'auras pas le Jinsei. Oh que si. Et le royaume Terre apprendra la dureté de la mort. Désolé, madame. Je vous avais pas vu. Misérable parasite, pathétique vermine, immondice infecte, comment oses-tu ? C'est à moi. T'es prêt ? Comme toujours. Ah!
sais pas trop ce qui vient de m'arriver. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Je t'interdis de lui faire du mal. Bel et bien un dieu déchu. Johnny Cage, l'amulette. Profite de ta nouvelle piole, papy. Sonia. Johnny. Est-ce qu'on a... Ouais. On l'a eu. Reste là. Les pouvoirs de la chambre guériront rapidement, Sonia Blade. Quan Chi et les autres, disparus. Une vague d'énergie à l'intérieur de la chambre a submergé mes sens. On s'occupera de Quan Chi plus tard, Kenshi. Nous avons fait une jolie prise aujourd'hui. L'amulette de Shinnok. Et à l'intérieur, ce vieux Gueulderet lui-même. Nous devons rapporter cette amulette aux dieux anciens. Ils ne peuvent la détruire. Personne ne le peut. Ils sauront peut-être quoi faire. Shinnok ne doit pas s'échapper. La guerre n'est pas terminée. Quan Chi s'est échappé. Pourquoi souris-tu? Elle m'a appelé Johnny. D'après Raiden, je serai issu d'une secte guerrière de la Méditerranée. Des guerriers au service des dieux. J'ai jamais pu invoquer à nouveau ce halo vert. Pour Raiden, il a été déclenché par la vue d'un être aimé à l'agonie. Et toi, Cassie, tu peux aussi générer un truc comme ça, ou ça a sauté une génération? Eh, doucement, Jin. On n'a pas eu besoin de Halo au Darfour, ni en Iran, ni au Kurdistan. Pas vrai, Jackie? Ça, c'est sûr. Les Shaolin t'ont déjà envoyé là-bas, Jin? J'en ai vu plein des conflits, et Takeda aussi. Qui ferait chier dans leur froc, les forces spéciales. Ta gueule. Du calme. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Écoutez, vous êtes tous uniques et formidables. Bref, ça vous a vraisemblablement échappé, vu que j'ai pas reçu vos cartes de vœux. Mais sachez qu'on fête aujourd'hui nos 6 semaines en tant qu'équipe. Le secrétaire Blake est très satisfait de nos progrès. Même si on lui crachait à la figure, il serait très satisfait de nos progrès.
C'est quand même lui qui a demandé à Monsieur Cage de former l'équipe. Je suis content que les Shira et Ryu m'aient envoyé. Ces nouveaux endroits, ces nouvelles rencontres. Comme l'a si bien dit le secrétaire, nous autres vétérans devrons un jour prendre notre retraite. Et c'est votre génération qui assurera la relève. Les Shaolin, les forces spéciales, les Shira et Ryu, tous ensemble. Pour votre première mission en équipe, vous irez au temple des Lin Kuei. On n'a pas de nouvelles du grand maître depuis un bail. Il faudra donc s'assurer qu'il est toujours de notre côté. Et qu'il sera là pour nous aider si les choses s'enveniment avec l'outre-monde. Sub-Zero doit nous rejoindre, mais ne vous étonnez pas s'il ne se montre pas très coopératif. Qu'est-ce qui se passe avec l'outre-monde? Je pensais que Kotal Kahn respectait les accords de Reiko. C'est le cas, mais il est face à une guerre civile. Si les rebelles gagnent, ces accords seront vite oubliés. Kotal Kahn a toujours été juste en affaire avec toi, Kenno. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quand même. Des armes améliorées, mes infos, et paf, l'interminable guerre civile. Fini. Ça vaut bien quelques billets de plus, non? Tu sais où se trouve Milena. Et toute son armée de rebelles. Je dirais que ça vaut bien 50. Nous devons l'attaquer immédiatement. Mettre fin à cette guerre. Elle nous étouffe. C'est un fait. Ouais. Bon, marché conclu. Qu'y a-t-il, Devora? Que l'empereur ne s'inquiète de rien. Un petit incident. Celle-ci s'en occupe. Faites place à Kotal Kahn. Allez! Les Tarkatan sont en place. Nous attendons ton ordre. Alors j'ordonne, ma chère Tanya. Arrêter un convoi, ce n'est rien. Mais tuer un empereur... Un imposteur. Requiert de la puissance. Ça, tu en as, Milena. Mais tu refuses de t'en servir. L'utiliser, mes douloureux reines. Il me faut plus de temps. L'imposteur est sorti beaucoup trop tôt. La chance doit savoir se saisir. Peu importe. Si Kenno fait ce pourquoi je l'ai payé. Allez! Maintenant! Je te le fais pas dire. Yeah!
proposition n'était donc qu'un mensonge. Garde tes 50 millions. Milena m'a offert le double pour t'éliminer. Thank you.
Reno, c'est toi qui ne vaux rien. Tu es l'Edenienne, Tania. Je suis flattée que tu me reconnaisses, Kwatan. Je n'oublierai jamais ceux qui ont libéré Milena. Elle nous a promis un Edenia libre, quelque chose que tu avais refusé. L'autre monde doit être uni si nous voulons vaincre nos ennemis. Tant que tu régneras, il ne pourra être uni. Ta rébellion est le seul obstacle.